Non, 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 rends-moi ça. Non, amateur de mascarade. Ouais, un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu d'achma, un peu de honte. Hey, y'a Walt, le frérot, j'ai volé ses habits. Quoi, tu veux la bagarre? C'est moi ou y'a une ambiance de merde? Je veux la bagarre, meurs. Voilà, comme ça, moi, si t'es mort, tu t'en bats les couilles d'être à poil maintenant. Tu me balades avec son corps. J'ai un gars à Watt, je me balade avec son corps. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit d'avoir un corps, non? On dirait que j'ai pas le droit de porter quelqu'un. C'est moi porté, c'est mon sahab, c'est normal, c'est rien. C'est mon ref, c'est mon ref. Ah, ils vont être choqués, regardez les darons. Tenez les darons. Les amis, oh là, je suis sérieux. Oh là, je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué, les frères. Oh là, je crois que vous allez devoir appeler les pompiers. Elle a un petit, elle est choc bar. Salut, salam les frérots, les sœurs, c'est votre bonhomme masqué préféré sur YouTube, PDG. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un coup de mirage, comme vous pouvez le voir. Mais PDG, on voit, j'ai marqué un coup de mirage, arrête de nous le dire, on n'est pas cons. Donc comme d'habitude, truc casse couille de youtubeur. Bien sûr, vous connaissez la musique, la musique. Allez chercher, allez liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la force à la chaîne. Allez vous chercher une petite boisson chaude, une petite boisson fraîche. Moi, je suis avec mon café, une petite coffre, un petit gâteau. Un petit truc à grignoter, un petit sang du chouton, vous le tapez comme ça sur le côté, hein. Faut manger comme ça. Donc nous on est reparti sur la 5 quid, on est quasiment sur la fin du jeu. On est sur la fin du jeu, quoi, il nous reste un seul ennemi à abattre. Quel plaisir de vous retrouver les frérots, les sœurettes. Ça fait je crois 2-3 jours que j'ai pas tourné. Vraiment c'est un grand plaisir. Des fois ça fait du bien de faire un petit break. Donc on va continuer, hein. On va juste mettre la petite cam. On est reparti, hein, sur le jeu, hein. Ah, j'étais caché là, je suis... Oh, juste un ennemi là, hop, bim. Tiens, imbécile. T'es bête toi, c'est pas possible. Donc j'ai toujours pas de son, hein. Le casque il bloque toujours pour l'instant. L'enquête elle est où? On va voir où elle est l'enquête. Où elle est l'enquête? On va enquêter. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier. Toujours ce problème là. Même hier j'avais, j'étais pour enregistrer la vidéo. Et je suis encore eu un bug de... Le casque, je sais pas ce qu'il y a le casque, mais... Il veut pas détecter... le son. Voilà, ça y est, j'ai du son. Hello. Allez là, Roshan. Arrête-t'entends. As-tu attendu, maître? Je n'attends personne. Ouais, je suis énervé. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Oyun sont distraits. Et la population partagée. Ok, on va les attaquer. Comment ça, partagée? Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah. Abu Abdallah. Amu Watakin. Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait? Pourquoi demandes-tu? T'as vu? Direct, pourquoi demandes-tu? C'est dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose. Elle est trop bizarre. L'ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis pour mieux les vaincre? Ça y est, elle a compris c'est qui le boss. Elle a compris. Comme par hasard, bah tu m'as interrompu. Imbécile. Nous allions aborder notre prochaine tâche. Loin de là. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais Rebecca sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la poétesse, ou Mohammed le gouverneur. Toujours moi, mais toujours un arabe. Avec nos adversaires. Comme par hasard. Mohammed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouve Alamout. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. Et alors? J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Enfin, là, ça bouge. Nous devons agir. Enfin, ça bouge. Va dans la ville ronde, Basim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sommet. Oh, elle est bizarre, elle. Toi, t'es une meuf bizarre, toi. Toi, t'es bizarre, toi. Toi, tu marches pas avec nous, t'es bizarre, toi. Non, elle est bizarre, vraiment, elle est bizarre.
Moi je dis vraiment elle est bizarre. Bizarre tout ça et tout. Ouais, il y a trois bails. On va faire le premier bail. Trouver Harib. Détail. T'as vu, il n'y a pas le truc comme dans Starfield ou quoi, tu lock, c'est direct. Ouais, je vais dans un harem. On dit que le harem abrite des centaines de femmes gardées loin du regard. Non. Ce lieu est peut-être encore plus secret qu'à la monte. Waouh, on va voir de la tush. On va voir de la tush, les refs. Les frérots, les sœurettes, on va voir de la tush. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Oh, oh. Un harem. Je le connais, ton visage. Ta gueule, tu me connais pas. D'où tu me connais, moi? C'est qui, lui, pour commenter ma vie? Je vais l'esquiver en 2-2. Hein. Regardez, hop. 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 Allez, hop. Ça y est, il m'a oublié. Regarde, je suis juste là, les cons. Ils me voient pas, regardez. Regardez, ils sont vraiment cons. Si je reste comme ça, ils me verront jamais, regarde. Que les seuls hommes à entrer dans le harem. Je vous ai dit, ils sont cons. Et le calife lui-même. Mais... Ça y est, vous me pétez les couilles, voilà. Voilà, hop. Allez. Encore la bagarre. Wesh. Oh non, viens, viens toi aussi. Tiens, allez hop. Allez, bye bye. Partisan, je m'aime pas. Passe ton chemin. Quelle amabilité. Je vais devoir trouver un autre moyen d'entrer. Oh non, non. Les seuls hommes à entrer dans le harem sont les eunuques. Et le calife lui-même. N'étant ni calife, ni eunuque, cela risque d'être amusant. Il n'est pas, eunuque, hein. Il y a une teub. Hein. Bastif, une grosse teub. Ton influence décroît. Elle compte chaque jour moins d'alliés. Kabiha est une femme importante, Farah. Elle l'a Farah. Été du vivant d'Al-Mutawakil. Mais son fils ne lui a pas succédé. Et son temps est à présent. Je connaissais une Farah, c'est comme ces chiens, Hachek. Que le reflux t'emmène au large. Nasrin, je n'aime pas prendre part à la politique. Je t'en prie, nous te connaissons bien. Oh, assez! Les nouveaux eunuques vont arriver d'un instant à l'autre. Les nouveaux eunuques? Attends-les à la porte, Makera. Et fais en sorte que tout se passe bien. Viens, Nasrin. De nouveaux serviteurs? Cela veut dire de nouveaux visages au harem. Avec un uniforme d'eunuque, je pourrais me mêler à eux. Je trouve où, le eunuque? Au pire, tu peux te couper la tête. Non, Bassim, pourquoi tu te coupes la tête, Bassim? Mais si tu devrais te couper la teub. Pour entrer dans la rime, tu veux une de eunuque. Je roule la tenue de eunuque. Lui, non. Examine-les. Allez, on va trouver le eunuque. Ouais, c'est lui, il vend des tenues. Voilà, donc là-bas, la tenue. On va mettre la tenue de Hunk. Un Hunk, c'est un homme sans bite ou sans couille. Je crois que c'est sans teub, hein. Peut-être les deux, je crois. Parce que si t'as une teub, tu peux quand même ken, non? Moi, c'est ça la vraie question que je me pose. Heureux de profiter du soleil. Si t'as pas de yuck, mais t'as une teub, tu peux ken, tu peux pas ken. Dites-moi en commentaire, éclairez ma lanterne. Éclairez ma teub. Hachek. Hachek. Non, 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 prends-moi ça. Amateur de mascarade. Nous serons tous nus lors du ouais, jeu dernier, mon frère. Ouais, tu ne t'en tireras pas comme ça. Hey, y'a Walt, le frérot, j'ai volé ses habits. Il a dit, on sera tous nus au jour du jugement dernier. Quoi, tu veux la bagarre? Attends, dors. Tu veux la bagarre? Meurs. Bref, voilà. Comme ça, moi, si t'es mort, tu t'en bats les couilles à ta poêle maintenant. Tu me balades avec son corps.
Je suis un fou. Regardez. J'ai un gars à Walp. Hop. Allez, je me balade avec son corps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit d'avoir un corps, non? On dirait que j'ai pas le droit de porter quelqu'un. C'est ma portée, c'est mon sahab, c'est normal, c'est rien. C'est mon ref, c'est mon ref. Ah, ils vont être choqués, regardez les darons. Tenez les darons. Eh, la petite, elle est choc-barre. La petite, elle est choc-barre. Elle est choc-barre, la petite. Bon, on va mettre la tenue de... de eunuque. Les vêtements que portent les eunuques du harem du calife qui sont insertés. Les gardes ne seront plus bernés par ce déguisement après son emploi par Vassim. Un peu serré à la poitrine. Oh lolo. Oh, j'ai la classe, hein. Ah ouais, c'est serré plus beau au niveau de la, du, de la tête. Parce que normal, ils ont... ah, ils ont pas de yuck. Ils ont pas de tête. Je crois que c'est les deux, les uniques. Ils ont rien, en fait. Que ça va marcher. Bien sûr que ça va marcher. Salam alaikum, j'ai pas de tête. Je peux rentrer, les frères. Oh, il est choqué, hein. Damahal, je te connais. Bien sûr, je suis l'homme sans tub. C'est mon premier jour. Je n'ai pas envie d'être en retard. Makira, assalamu alaikum. Alaikum wa salam. Tu me connais, Makira? Je... quoi? Ne me dis pas que tu ne me reconnais pas. Non, non, je... désolée, cela fait longtemps et... oh, ce n'est rien, ma belle. Mon visage se laisse facilement oublier. Contrairement au tien. Mais il est trop malin, comment il la complimente. Voilà, m'attend. Et de toi à moi, elle me terrifie. Je ne veux pas me présenter à elle en retard. Il est trop malin, Bassim. Laisse-le passer, Abbas. Trop malin. Bassim, le comédien. Voilà, Bassim, acteur... qui essayait d'ati. Ouais, par contre, Balak Laoufik, ça a du mal à le dire. Hein. Le ref, Balak Laoufik, assalam alaikum, ma soeur, Uchi. Salam alaikum, Uchi. Ah ouais, il parle l'arabe, c'est... allez ouvrir. Mais qu'est-ce que tu fais? Makira, je ne faisais que... que t'inviter dans le bureau de Kabira. Tu n'es pas un eunuque. La piste est directe. Alors, pars maintenant ou je préviens Nasrin et je préviens Farah. Et pour leur dire quoi? Que tu m'as laissé entrer? Je doute qu'elle soit ravie de l'apprendre. Allez, chat. Tu es une kahramana, non? Tu es là pour servir les besoins des concubines. Mais toi, depuis quand quelqu'un ne t'a pas demandé de quoi tu avais besoin? Quelqu'un qui ne te jugerait pas? Quelqu'un dont tu pourrais oublier la présence? Il doit bien y avoir quelque chose dont tu aurais besoin, Makira. T'as besoin de quoi, Makira? Dis-moi, t'as envie de quelque chose? T'as envie de Ken? Il y a quelque chose. Abbas, à la porte, il... il n'a Dieu que pour Farah, l'oum walad. Il ne me regarde pas. Mais Farah utilise un phare pour s'agrandir les yeux et... et si je pouvais en avoir aussi, je pense qu'il pourrait... N'en dis pas plus. Je suis à ton service. Où vais-je le trouver, ce phare? Dans les réserves. Mais nul n'a le droit d'y entrer en dehors de Nasrin. Farah lui accorde toute sa confiance. Je suis quoi, frère? Je suis un... c'est quoi, c'est Sephora voilà, maintenant, quoi? Je vais voler des produits de beauté... C'est Nasrin qui la transporte. Pour elle ou quoi? Et elle lui dit quand elle en veut. Elle lui donne une haleine horrible. Mais je donnerais n'importe quoi pour y goûter. Et tu y goûteras, ma belle. Mais en échange, Makira, que vas-tu me donner à moi? La clé de ce bureau, là. Ok, vas-y. Phare pour les yeux et potions magiques. Tes désirs sont des ordres. Voilà, t'inquiète, cousine, tu vas être fraîche. Avec moi, tu vas être fraîche. Toi, là. Phare pour les yeux et potions magiques. Nettoie la boniche. Vraiment? Je vais la rouler. Tu tombes bien. J'ai besoin d'un avis impartial à propos de mon poème. Je m'interroge... rien à foutre. Rien à foutre ton poème. C'est quoi une strophe? Oh, va-t'en, Béotien. Alors, quelle est cette potion magique? Ah, je vois. De l'alcool. De plus grands yeux amélioreraient... je le remettre. Comme non, ça non, sois sérieux, Massim. Il te faut cette clé.
J'ai le phare et la potion. Autour de la clé maintenant. Allez, donne-moi la clé maintenant. Et voilà. Tiens, tu vas être fraîche, tu vas être bonne maintenant. Comment tu vas être bonne? Eh, le gardien, il va te regarder, il va vouloir te ken. Il va vouloir te ken, cousine. Ils ont raison. Alors, cette clé. Et puis, si elles en savent plus que moi, c'est parce qu'elles ont toutes lu... On s'en bat les couilles de ta vie, voilà. Donne-moi la clé, c'est tout. De la vie, du corps... On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Tu l'as lu? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Dans l'appartement du calife. On s'en bat les couilles, on t'a dit. On s'en bat les couilles. Makira, nous avions un accord. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ce livre est dans ma chambre. On s'en bat. Elle est au coin est. On s'en bat les couilles. D'accord. Mais ensuite, la clé, hein? Elle a pas la clé, cette connasse. Je suis là pour jouer les serviteurs, pas en devenir un. Ah ouais, on dirait que je suis agent de sécurité à Sephora, je dois voler que des trucs. Pour les petites michetos, là, wow. C'est une vraie beurette, elle, hein. Dis-moi, toi. Oh, tiens, meurs, toi. Oh là, pète pas les couilles. Oh là. Maintenant, on a le truc. Récupère le livre de Makira. Il est où, le livre? Oh, il est revenu à la vie, ou quoi? Viens, viens, vas-y, viens. Vas-y, viens, viens, viens. Allez, hop. On n'a pas le temps avec toi. Viens, toi aussi, viens. Allez, dépêche. Oh. On va le fumer, lui. Ah, merde, merde. Oh, putain. Ouais, mais non! Oh putain, oh putain! Oh, je me barre. Je me barre. Il y a sûrement un autre moyen d'entrer. Ah! Ah! C'est l'heure de mourir! Oh, heureusement, j'ai mes fumigènes. Oh, heureusement, j'ai mes fumigènes. Tout ça pour un livre. J'ai tué 8 personnes pour un livre. Le jardin et ses mystères. Un titre sans grand intérêt. J'imagine que c'était l'idée, justement. Là, je vois s'il n'y a pas des trucs pour recharger mes couteaux et tout. Y'a rien, y'a rien, t'as rien vu. T'as du 8 personnes, tu butais 8 personnes pour un livre. Oh, mais j'ai quitté le conflit. Allez, je dois rentrer, y'a personne. C'est qui me fait chier, non? Souffrir de quoi, putain? Ça y est, y'a personne. Allez, merci. Ouais, elle a même pas la clé. Vous allez voir, enfin, me dire, ouais, c'est pas moi qui a la clé, faut aller la récupérer sur un tel, la clé. Ah, faut que je lui mette dans sa chambre. Ouais, en plus, je suis livreur Amazon, en plus. Ma parole, l'ambition d'Abu Abdallah est sans limite. Mais Farah, il ne croit quand même plus pouvoir s'emparer du trône. Tu connais pourtant sa mère. Voilà. Bonne lecture. Espérons qu'elle ne va pas m'inventer d'autres tâches. Ah si, elle va inventer encore d'autres tâches. Exactement. Il y a un coffre là-bas. On va récupérer le coffre. Il y a un coffre, j'ai vu qu'il y a un coffre.
Ouais, il me cherche encore, lui, le con. J'étais en haut, il me cherche encore. Ouais, c'est nappe. Le livret dans ta chambre. Maintenant... Alors, mes yeux sont plus grands. Ouais, t'es trop fraîche. Beaucoup plus, ouais, oui. T'es une frappe. Akira, il me faut... La frappe. Elle donne confiance. Je pourrais affronter le monde entier. Mais là, il gifle pas, Akira, couillon. Nous avions un marché, Makira. Donne-moi la clé. Maintenant. Attends. Il faut aller rendre la potion à Nasrin. Si Farah découvre qu'elle a disparu, elle sera furieuse. Ensuite, tu auras la clé, promis. Bien. En attendant, va boire un peu d'eau si tu veux bien. C'est la dernière fois, Basim. Non, ça me prend pour un con, ça. Non. Ça y est, elle me prend pour un con, elle, non. Reprends ta place, toi. La potion a été remise en place. Tout est en ordre. Maintenant, je vais obtenir la clé de Makira, même si je dois la lui arracher des mains. Toi ! Dis-moi que tu as lu Al-Kindi. Ah, je regrette ce Yedeti. Oh, plus personne ne lit de nos jours. Voilà. J'ai tout fait. Merci. C'est drôle, j'ai un peu mal à la tête. Et maintenant ? Maintenant, tu me donnes la clé. Oh, on n'a pas la clé. Quoi ? Tu ne l'as pas ? Tu as peur de Kabiha ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non ! Son étoile est tombée, tout le monde le dit. C'est juste que... je m'amusais, c'est tout. La voilà. Enfin ! Je vais pouvoir trouver mes réponses. Ah, on m'a pété les couilles, là. Ouais, elle m'a cassé les couilles, là. Je me souviens de ce parfum. Je l'ai senti au bazar. Et peut-être au harem. Mais sur qui ? Roshan, hein. Une épingle à cheveux. Celle de Ning. Celle de Ning. Quand Kabeha se l'est-elle procurée ? C'est bizarre, cette histoire. Un recueil de poèmes d'Arib, signé. L'océan, le désert, le cobra et la colombe. Une carte du califat. Et de l'amour. Malgré son apparat, la pièce est vide. Il a l'air d'y manquer des choses. Commencer par Kabeha. Ouais, elle est morte. Qu'est-ce que c'est ? Que lui as-tu donné ? Elle en buvait tout le temps. Elle m'a demandé de la lui donner. C'est inoffensif. Ça, inoffensif, Nasrin ? Tu ferais mieux de partir. Donne-moi la clé. Que lui est-il arrivé ? Moi. Tu n'aurais vraiment pas dû me laisser seule avec cette fille. Oh, c'est elle, en fait. Les chambres. Toi, avec moi. Je n'y suis pour rien. Je ne lui ai fait aucun mal. Qu'est-ce que tu as fait ? Détends-toi, personne ne nous regarde. Ils seront bien trop occupés quand ils trouveront le livre chez Nasrin. Chez Nasrin ? Le jardin et ses mystères n'a rien de grivois. Ah ouais. C'est entraîné sur les plantes. Leur c'est une vraie salope, non ? Une vraie traîtresse. Cosmétique. La belle Adonne. Le bouton noir. À faible dose, une vraie vicieuse. Permet d'embellir les yeux. Dommage que j'ai dû tout lui donner. Quoi ? Tu les as vus ? Farah et Nasrin. Verser du poison dans l'oreille de tout le monde. Répandre rumeurs et mensonges au sujet de ma maîtresse. Kabeha. L'une morte, l'autre en disgrâce. On n'entendra plus parler d'elle. Yassiala. Yassiala. Une servante loyale. En l'absence de Kabeha, je la protège de celles qui veulent la remplacer. Son bureau est vide. Elle t'a abandonné, Makira. Tu sers une maîtresse sans foi et ingrate. Elle reviendra du palais lorsque le danger aura disparu. Elle va rien revenir sans le code. Tu n'aurais vraiment pas dû me dire ça. Cela ne changera rien. Tu ne la trouveras pas. Et puis, ne fais rien d'inconsidéré. Il y a des enfants ici. Je m'en battrai les couilles. Je la fume devant tout le monde. Belle uniforme, au fait. Taillée pour toi. Comme par hasard. Allez, on va la fumer à un moment ou à un autre. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Je ne peux rien pour faire. Comme un bleu bite.
Et si c'est Kabiha qui dirige l'ordre, je peux faire quelque chose pour protéger ses futures victimes. Il s'est fait avoir comme un blubite. Garde par ici, hein, qui me balance. On va mettre ça. Hop, voilà, enfin. Augmente la rayon. C'est quoi le boost de vision? Ah, d'aigle. Souvent, sur le matching des ennemis, lorsque vous êtes en position accroupie, sans avoir été détecté. Wow, c'est dégueulasse, ça. Ça, c'est un truc, normalement, même pas tu le prends. Allez, poussez-vous. Poussez-vous, bande de cons. Poussez-vous, je dois acheter l'affiche. Poussez-vous. Bon, je crois qu'on va s'arrêter ici hein, pour aujourd'hui. On fera la prochaine mission dans une autre vidéo, non? Je pense que c'est mieux. Hein. Bon, les frérots, les sœurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'était Bonhomme Masqué PDG. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur mon heure à qui vous regardez cette vidéo. Une grosse, grosse force à vous et à très très vite.